Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va changer de sujet parce qu'on a parlé de beaucoup de choses récemment, il y a eu beaucoup de nouveaux hobbies et je vous cache pas qu'il va y en avoir encore des nouveaux qui vont arriver incessamment sous peu. Vous aurez la surprise. Mais on va parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé par le passé en disant un de ces quatre je ferai une vidéo dessus et bah, un de ces quatre c'est aujourd'hui. Je veux parler des peintures que j'utilise pour peindre les figurines. Vous l'aurez compris si vous regardez ce genre de vidéo là, je n'utilise pas vraiment les peintures classiques dédiées au hobby de peinture de figurines comme peuvent vendre Army Painter, une sympathique gamme qui s'appelle 75 et Games Workshop bien évidemment. Alors entendons-nous bien, hein, je ne les utilise pas parce qu'elles sont nulles, au contraire elles sont même très bien, elles sont étudiées pour, elles sont suffisamment dosées en pigments, elles sont suffisamment dosées en médium, elles sont suffisamment dosées en fixateur, etc., etc. Mais elles sont chères, elles sont très chères. Elles se vendent dans des petits pots qui sont pas toujours adaptés à la peinture en plus. Et finalement, quand on veut avoir une palette complète, eh ben, il faut débourser un sacré montant, parce qu'il y a tout un tas de types de couleurs différentes, de types de bleu, de types de rouge, de marron, de vert, de jaune, etc. Et que quand vous regardez les vidéos où les gens donnent des conseils de peinture, ils font quelque chose que je n'aime pas. Ils présentent leur travail en expliquant qu'ils ont mélangé non pas telle couleur, mais tel pot et tel pot. C'est-à-dire qu'ils ne vous apprennent pas à faire vos propres couleurs, ils vous apprennent à prendre le pot rouge super et le pot vert sympathique, et ça fait le mélange qu'ils ont fait au final. Mais ils ne vous expliquent pas comment on fait du rouge super ou du vert sympathique. Or, je trouve que c'est là tout l'intérêt de la peinture, c'est de faire ses propres nuances. Et en vous poussant à acheter ces pots spécifiques pour avoir le même résultat qu'eux, bon, un, ils vous maintiennent dans l'ignorance de comment mélanger les peintures, ok. Et puis deux, bah, ils vous poussent à l'achat parce que vous voulez du Goblin Green, ce qui est un vert très particulier. Bah, au lieu d'essayer de faire vous-même et de découvrir le mélange des couleurs pour faire du Goblin Green, bah, vous allez acheter un pot de Goblin Green. Et après, vous allez acheter un pot de vert sapin, de vert forêt, de vert va savoir quoi. Et ça coûte cher parce que globalement, c'est un petit peu plus de 2 euros le tout petit pot, quoi. Et c'est pas à la portée de toutes les bourses. Moi, petit, j'ai dépensé beaucoup d'argent chez Games Workshop pour acheter leurs pots de peinture qui ont la particularité de sécher tout seul comme des grands parce que l'opercule est gigantesque et que du coup, l'air rentre dans le pot et le pot sèche tout seul, ce qui fait que globalement, vous avez peut-être 25% du pot qui va sécher à l'air libre et vous n'en utiliserez que 75%. De retour dans le hobby depuis un an et demi, à peu près, je me suis dit hors de question que je reclaque de la thune dans ces peintures. Essayons de voir si on peut pas faire avec les peintures, alors les Anglais appellent ça craft paint, les peintures loisirs, on va dire, que vous pouvez trouver pour pas très cher dans tous les Jiffy, Action, Babou, Foirefouille, enfin tout ce genre de trucs. Et le fait est que cette vidéo n'est pas là pour vous dire « Mais c'est super, c'est génial, précipitez-vous vers ces peintures ». Cette vidéo est là pour vous dire « Ces peintures pas chères, parce que pour 2 euros vous avez un tube géant, ces peintures pas chères peuvent servir à quelque chose. Et parfois même très avantageusement. Le souci, c'est que je peux pas faire de généralité. C'est-à-dire que j'ai testé en un an et demi plusieurs gammes de peintures de plusieurs magasins et elles sont toutes différentes. La recette pour les fabriquer doit être différente, les matériaux utilisés doivent être différents et du coup d'une marque à une autre, ben, les couleurs réagissent pas pareil et j'ai essuyé les plâtres pour vous, hein, je sais parfaitement quelle couleur vous déconseillez, quelle gamme vous déconseillez et inversement ben, vers quoi vous dirigez et comment les utiliser parce que ces craft paint, c'est pas
c'est pas des peintures pour hobby. Donc vous ne pouvez pas les considérer comme un remplacement formidable pour les peintures Games Workshop. Il faut s'en occuper un petit peu. Il faut les traiter un petit peu. Et c'est un peu tout ce qu'on va voir ensemble. Ça va alléger votre porte-monnaie. Ça va vous donner des solutions aussi, alors pas très chères, mais très utiles pour certaines choses, parce que je l'ai dit au cours de plusieurs vidéos, mais ces peintures sont de mauvaise qualité, globalement. Elles ont donc un pouvoir de couvrance assez moyen, et là où on pourrait en chialer, il se trouve qu'en fait, parfois c'est pratique de ne pas avoir ce pouvoir de couvrance. Quand vous voulez peindre et avoir de la transparence pour que la couleur d'en dessous se mélange à celle du dessus, eh ben, ces craft paints, leur transparence elle est là. Il n'y a pas besoin de les mélanger avec de l'eau ou quoi que ce soit. Il y a certaines couleurs qui sont juste parfaites pour faire de la transparence. Et il y a certaines couleurs qui ne marchent pas du tout. Et il y a certaines couleurs qui font des couches pleines, des layers comme ils disent, parfaitement acceptables. Sauf que je ne vais pas vous faire ça ici au milieu du bureau. Hein. On va bien évidemment passer dans l'atelier. Ça y est, nous sommes arrivés dans le bureau, j'ai rassemblé toutes les marques de tubes que j'ai pu essayer et pour lesquelles j'ai des avis plutôt tranchés, et encore vous allez voir que comme je vous l'ai dit, ça dépend pas seulement de la marque, bien que certaines soient vraiment, vraiment à bannir, hein, ça dépend aussi beaucoup des couleurs. C'est-à-dire qu'au sein d'une même marque, il y a des couleurs, bof bof, alors principalement en raison des pigments qu'elles contiennent, j'ai l'impression qu'ils sont soit de mauvaise qualité, soit pas assez fins. Et il y a des marques, tout est bon à jeter, il y a des marques, tout est plutôt cool en fait. Si je devais trier parmi tout ce que vous avez devant vous, on va commencer par les marques à bannir. Alors je vais faire du ménage, hein. On va repartir de zéro. Voilà, ni vu ni connu. Alors, les marques à bannir. Parce que vous allez sûrement en croiser plusieurs en fonction des magasins où vous allez aller. Alors, à bannir, nous avons ceci. Et ceci. Voilà. Voilà les quatre perdantes. Donc nous avons, pour ceux qui n'y arrivent pas à lire, nous avons PBO. Voilà, je montre à quoi ça ressemble. PBO avec marqué sur le conteneur PBO. Hein, ça tombe bien, c'est le nom de la marque. Made in China, pour information. Alors, je vais aborder directement les soucis, hein, comme ça on fera un par un. Le souci de PBO, c'est la peinture qui sort du tube. La peinture qui sort du tube est limite granuleuse. Et elle se mélange assez mal avec l'eau. Et le résultat est vraiment très moche. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose de plat, il faudrait que j'en utilise en très grande quantité et que je l'aplatisse avec un très gros pinceau. Le résultat est vraiment pas du tout homogène. Et même quand vous essayez de le transformer avec de l'eau, du médium, peu importe, ben au final ça marche pas. Le seul usage que j'ai trouvé pour ça, pour pas l'avoir acheté pour rien, parce que vous voyez concrètement que le tube a été quand même vachement utilisé, hein. Le seul usage que j'ai trouvé, c'est pour les décors. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai mélangé avec une autre couleur pour l'éclaircir. Et du coup, ben, elle s'est un peu noyée dans l'autre couleur et elle a trouvé une consistance assez normale. Et je l'ai utilisé pour brosser certains décors. C'est tout. Donc PBO, assez caca. Nous avons ensuite Sera. Voilà. Avec un sympathique S. Formidable, incroyable. Je ne sais pas si j'ai un made dessus. Bien que techniquement, on s'en fout. Je ne sais pas. Non, on voit pas trop. On voit pas trop d'où ça vient. Sera peinture, comme beaucoup de ses copines d'ailleurs, peinture très transparente. Il y a très peu de pouvoir de couvrance, il y a très peu de pouvoir de teinte. C'est-à-dire que même quand on l'utilise, par exemple là, du rouge, pour le mélanger à du jaune et obtenir du orange,
Ben, contrairement à d'autres rouges, celui-là, il va falloir en mettre 4 kg pour arriver à obtenir du orange. Donc la concentration en pigments doit être vraiment très 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 faible. Et vous voyez que ça coûtait 1,49€. Même pour des tubes de peinture bof, 1,49€, c'est pas très cher. Donc ça nous met un petit peu la puce à l'oreille sur que le fait que le contenu est vraiment très chiche en matériaux. Alors là, nous avons Beaux-Arts. Alors Beaux-Arts, c'est... Je vais pas dire de conneries. Mais non, j'allais dire une connerie, donc je ne dis rien. Nous avons Beaux-Arts. Alors, si j'ai bon souvenir, je me demande si c'est pas lié à une marque en particulier. Je me demande si c'est pas ça qu'on trouve dans les centres accords. Mais ça serait à vérifier. Que dire de Beaux-Arts? C'est fait où? Ah non, c'est Jiffy. C'est Jiffy, c'est marqué derrière. C'est Jiffy, vous voyez que le tube n'est pas du tout utilisé. Pourquoi? Parce que le peu de peinture que j'en ai sorti est complètement transparent. C'est-à-dire que si j'en mets sur ma peau, on va voir ma peau au travers. C'est transparent et c'est un fini luisant. C'est les fameuses peintures qui, une fois sèches, sont toujours brillantes. Et sur une peinture de figurine ou de décor, c'est absolument dégueulasse. Donc n'allez pas chez Jiffy. Alors si vous allez chez Jiffy, vous allez peut-être tomber sur ceci. Vous voyez, une marque avec un petit G dedans. Le G pour Jiffy, c'est fabuleux. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est transparent et le fini est brillant. Et ça se mélange même pas très très bien avec les autres peintures pour faire des teintes différentes. Donc Jiffy à bannir, même si vous voulez faire du décor, hein, parce que le résultat brille quand même. Et il faut utiliser une autre peinture à mélanger pour, donc finalement le coût est augmenté d'autant. PBO et Sera, ça, je regrette de les avoir achetés. Je vais vous montrer, j'en profite. Vous voyez, là par exemple, j'ai un jeune lumière PBO. Vous allez comprendre. Hein. Je vais faire sortir du jeune lumière. Voilà. Alors, ça va être compliqué. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir l'espèce de caca qui sort et qui fait des trous. On dirait de la mayonnaise périmée. C'est absolument pas lisse. Alors, je pense pas que vous verrez à l'écran, mais bon. Il y a des bulles d'air dedans. Vraiment, le seul moment où je peux l'utiliser, c'est en éclaircissement de décor. Passons maintenant aux marques... J'en ai une qui me pose cas. Mais j'en parlerai après. Donc maintenant, on va passer aux marques Pourquoi Pas. Alors, les marques Pourquoi Pas, vous avez... Je vais les sortir dans l'ordre. Tac. Tac. Et tac. Voilà les marques Pourquoi Pas si vous les croisez chez vous. Alors, la première, Dieu merci, le nom n'est pas prononçable. Donc, on va dire Van Bleschwick. Voilà. Van Bleschwick, c'est ce que vous allez trouver chez les Actions. Alors, ils doivent avoir vraiment un contrat hein, pour écouler leur merde, parce que il n'y a que chez eux qu'on en trouve, et il n'y a pas d'autres marques, alors que d'habitude, chez Action, on trouve un peu n'importe quoi. Donc, Van Bleschwick, vous voyez que le tube, on pourrait faire une espèce de truc à la 2001 Odyssée de l'espace, avec le truc qui défile comme ça, vous voyez. Tintin. Voilà, c'est des tubes gigantesques et pas chers, je dois bien avouer. Van Bleschwick, c'est la marque qui me pose problème, parce que certaines couleurs sont très bien, et d'autres pas du tout. Donc je peux pas dire un oui générique, je peux simplement vous dire que sur cette gamme là, qui s'achète en très grosse quantité et qui est fabriquée en Hollande, vu le nom, en plus c'est même marqué, voyez en dessous, Van Bleschwick Hollande, il y a des couleurs cool, il y a des couleurs nulles. Typiquement, le jaune est nul, le jaune est super transparent. Alors, comme je l'ai dit en intro, hein, c'est bien si vous voulez faire de la transparence,
Vous n'avez pas à vous emmerder, vous sortez le jaune du tube, vous le passez, et il est déjà transparent. Mais voilà, le jaune est transparent. À côté de ça, il y a des couleurs qui sont magiques. C'est-à-dire que vraiment, elles fonctionnent comme des couleurs que vous auriez payées très très cher. Typiquement, et à ma grande surprise, le turquoise que j'ai acheté récemment. Je pensais franchement que j'allais être très déçu, et ben non. Le turquoise ressort super bien, comme du turquoise classique. Il a un grand pouvoir de couvrance. C'est une vraie économie, un vrai bonheur que d'utiliser ce turquoise-là. Tout pareil pour... alors, l'anthracite. Je dis anthracite hein, parce que eux, ils le vendent comme du noir. C'est pas noir. C'est pas noir du tout. Vous voyez que là, en termes de couleur, on voit que c'est gris. Sauf qu'on se dit, bon, c'est le tube qui rend tout ça gris. Ben non, quand vous sortez la peinture à l'intérieur, c'est clairement gris foncé. Gris très très foncé, mais gris foncé. Mais si ce que vous cherchez, c'est du gris foncé, ben celui-là a un grand pouvoir de couvrance, et franchement, il est nickel à utiliser. Dans la catégorie bonheur, il y a, alors je sais plus où je l'ai foutu, il y a le marron. Le marron, il est extrêmement bien, tellement bien que je suis en train de finir le tube géant. Et que je galère un peu pour en trouver un autre, je sais pas pourquoi. Dans les magasins, on trouve plus de... On trouve du vert brillant, du vert olive, du vert machin, du turquoise, et je trouve plus le pot de marron classique. Donc, tout ça pour vous dire que Van Bleswick, il faut trier, il faut tester. Vu que ça coûte pas très cher, franchement, vous privez pas. Autre heureuse découverte, éventuellement, toujours dans leur gamme à eux. Ils ont fait un tube comme ça... Énorme tube de couleur chair, couleur nude, couleur chair. Pareil, j'ai eu un doute, je me suis dit, bah, c'est encore un truc que tu vas acheter à la poubelle. Eh ben non, vous l'utilisez en éclaircissement d'un marron couleur chair classique, même de bonne qualité, je dirais même surtout de bonne qualité. Il fonctionne aussi bien que ça. Voilà, ça c'est du nude. De modèle color. Voilà, c'est ce que vend Army Painter, Game Color, etc. C'est aussi ce que vend à prix d'or Games Workshop. Bah honnêtement, plutôt que d'acheter ça à 2,10€, achetez ça à 2€, hein, vous serez mort et enterré avant d'avoir fini le tube, parce qu'il en faut très peu pour faire la peau d'un modèle, vu qu'il y a assez peu de peau sur un modèle. Et ça marche aussi bien. Alors, je peux pas dire sinon mieux, hein. Ça marche vraiment aussi bien. Par contre, à l'inverse, alors je replace tout ça parce que c'est un petit peu encombrant. Déception. Voilà. Alors, vous regardez. Ah, oh, Van Bleswick de Hollande, il a fait aussi des couleurs métalliques. Et là, on se dit, oh putain, t'as vu un peu la taille du truc de doré, mais c'est absolument génial. C'est du gold, c'est fabuleux, j'en ai envie. Et ben... La merde qui sort de ce truc... Alors, je sais pas où je peux en mettre... Je vais en mettre là, c'est pas grave, je nettoierai après. Voilà, on va... Regardez-moi ça. Je renverse le truc, ça coule déjà tout seul. Hein, vous allez me dire... Ah, ben voilà, ça c'est la texture de peinture que je connais et que j'aime. Oui, je vais vous répondre. Ça, c'est de la texture de peinture. Regardez-moi ça. Regardez comme ça tient bien nulle part. Regardez comme ça reste bien sur le pinceau. Regardez comme ça couvre absolument rien. C'est de la merde. C'est de la merde. Je vais même vous dire, ça goûte en dehors de mon pinceau. Ça goûte. Il faudrait que je trouve un moyen... de la faire épaissir. Je vais pas vous mentir, hein, je vais jeter le tube. En plus, c'est de l'or, donc on peut même pas l'utiliser vraiment trop dans les décors. Je vais devoir jeter le tube, tellement ce truc n'a juste aucune tenue. J'ai l'impression de récurer de la moutarde. Et j'ai essayé de la mélanger avec du noir pour que ça prenne une certaine consistance. Eh ben, il a fallu que je mélange 10 kg de cette merde à du noir pour obtenir un noir à peine un peu plus clair. Je n'arrive pas, il n'y a rien dedans. Vous voyez,
J'ai beau essayer de peindre. Voilà. Et si je laisse le pot comme ça à l'air libre, demain matin, c'est pas encore sec. Demain matin, c'est pas encore sec. Vous voyez, c'est tellement pas couvrant que si je passe mon pinceau, et je vous assure, je frotte pas, hein, je nettoie. Voilà. C'est de la merde. C'est de la bonne merde. Alors, ils font trois gammes de métallique. Ils font du cuivre, ils font de l'argenté. J'ai pas encore eu l'occasion, mais je crains fort que ça soit de la pure merde. Et donc, n'en achetez pas, ne tentez pas le truc. Vous allez voir, je vais prendre un bout de torchon. Hop, voilà. Voilà, la peinture à la con qui tient pas. C'était ma déception. Et donc, passons à une autre marque moins décevante, hein. Il reste ces trois-là. En dernier, cette marque-là, Art Design, qui est pas mal, qui est faite... je ne saurais pas vous dire où. Je me demande si je ne l'ai pas trouvée dans un Jiffy, mais il y a longtemps, celle-là. Donc je... ah, si vous la croisez, voilà, mais si vous ne la croisez pas, c'est pas normal non plus. Vous voyez que le prix était... un petit peu plus cher que ce qu'on croise maintenant, mais j'avais pris que le blanc en grosse quantité, parce que le blanc en général se mélange à autre chose, et celle-ci est à fort pouvoir couvrant. Et effectivement, elle est à fort pouvoir couvrant. Elle est à fort pouvoir couvrant. Ce qui fait que quand vous mélangez ce blanc à une autre couleur, l'autre couleur a tendance à se matifier beaucoup, et à devenir elle-même couvrante. Du coup, ce truc-là, vous voyez qu'en fait, j'arrive bientôt à la fin. Hein. Ce truc-là, je dois l'avoir. Je dois l'avoir depuis des années, des années, des années. J'ai même peint sur tableau avec à une époque. Et j'ai pas essayé les autres couleurs, hein, du coup, je n'ai essayé que le blanc de cette marque-là. Mais le blanc m'a toujours pas déçu, et c'est le blanc que j'utilise au quotidien pour éclaircir, en fait. Il est vraiment... quand il sort du tube, il est très pâteux, vraiment très pâteux. On dirait du dentifrice, quoi. Et il réagit très bien à l'eau. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau à peine, et il redevient liquide et fluide. Donc une marque pas dégueulasse, et pas trop chère. Par ordre d'apparition et d'affection, nous avons le petit toucan qui est là. Ah, petit toucan, pardon. Voilà, le petit toucan qui est là. Et son copain, le petit toucan qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce délire, c'est la marque de peinture que vous trouvez dans les foires fouilles. Yen de Chine. Et pourquoi il y a deux toucans? Vous avez ici l'ancienne marque. Et vous avez ici la nouvelle marque. Alors vous allez me dire, bon ok, c'est la même chose dans un emballage différent. Eh ben non. Eh ben non, parce que la recette a changé aussi. Et alors, honnêtement, l'ancienne marque, c'était génial. Si vous trouvez des tubes avec ce toucan grand là, énorme, tout ça, jetez-vous dessus, parce qu'il n'y en a plus déjà. Jetez-vous dessus, faites des provisions, n'hésitez pas. J'ai peint avec ça pendant très longtemps. Ça marche très bien, la couvrance est très bien, elle se mélange très bien. Elle remplace très bien les couleurs faites pour le hobby. Malheureusement maintenant... c'est le toucan comme ça, et c'est pas la même mouture. Alors c'est pas nul, mais c'est clairement, clairement moins sympa. Et vous voyez, je suis en train de me demander pourquoi sur le tube, ils ont été collés un grand écriteau blanc. Je suis hyper curieux de savoir ce qu'ils ont voulu cacher. Hey, va-t'en, vilain écriteau. Ça, c'est un vrai tuto découverte. La vérité sur les peintures foire fouille. Allez, qu'est-ce qu'on a voulu cacher? Les composants. Ah, c'est énorme. Bonjour, nous avons honte des composants, nous les cachons. Contient plein de choses dégueulasses. Et c'est énorme.
Attention, nocif par inhalation. Ok, d'accord. Nocif par inhalation. Utilisé seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre anti-poison en cas de malaise. Donc, je retire ce que j'ai dit. N'achetez pas ça. C'est dangereux pour la santé. Eh bien, putain, c'est énorme. C'est énorme. Je pense que c'est ça qu'ils ont changé. Hein, c'est à mon avis. Parce que faut dire, le truc de base, on sait juste pas ce qu'il y a dedans. Soit dit en passant. Non, bah écoutez, je vais m'en débarrasser, c'est pas grave. Et alors, je vais vous dire pourquoi c'est pas grave. Parce que ça... Amsterdam, c'est la marque de peinture que vous trouvez dans les Cultura. Tout ce qui est loisirs culturels des centres Leclerc. Alors, elles sont un peu plus chères que les peintures nocives faites en Chine. Mais elles sont assez parfaites. J'ai acheté ce tube-là. J'ai pris du jaune en plus. Le jaune, c'est vraiment la couleur qui tient difficilement. C'est compliqué d'être heureux avec du jaune. Donc ça me permettait bien d'évaluer leur recette. Et ben putain, ça marche. Ça marche aussi bien, sinon mieux. Non, ça marche aussi bien que... voilà, ça marche aussi bien que ça qui coûte le même prix. Donc vraiment, vraiment ça. Si vous voulez partir dans... des tentatives de peinture un peu audacieuses, sinon vous emmerdez pas, prenez de la peinture de merde, si c'est pour gâcher, foutez pas 2,90€ dans un pot comme ça, foutez 2,90€ dans un tube comme ça, ça tient la route, il y a une quantité du coup phénoménale, et je suis super super heureux, surpris par cette marque là, et donc désormais vous comprenez bien que quand mes peintures vont s'épuiser, c'est à Cultura que je vais aller pour acheter ça. En plus, vu que c'est le centre Leclerc, je suis à peu près persuadé qu'on doit pouvoir trouver ça en ligne quelque part. Ça marche hyper bien. Voilà les cadavres. On a fait le tour des non-peintures. Je suis en train de balayer du regard. Ah si, j'ai fait un petit test aussi. Chez Cultura, j'ai trouvé ça. C'est de la peinture acrylique. Ça coûte 2,58€. Et qu'on est quand même sur une autre quantité. Et ma foi, c'est de la bonne qualité. Je veux dire, pour moi, vraiment, ça et ça, ça se vaut. Ça se vaut très clairement. Alors, je pense que là, il n'y a pas une gamme de teintes absolument gigantesque et étendue. Par contre, il y a des couleurs peu courantes. Typiquement bronze. Et un chouette bronze. Il est extrêmement bien. Je suis vraiment pas déçu de ces tentatives-là. Alors, pour des couleurs de base, je resterai sur ça. Par contre, pour des couleurs un peu chiadées, vous voyez là, j'ai framboise et bronze. Ouais, je vais aller chercher ces petits pots-là. Alors, les petits pots, comme les tubes, faut quand même savoir qu'ils ont un défaut. C'est le côté ergonomique. Prendre le tube, presser le tube, etc. Le bon côté de ces petites choses-là, c'est qu'elles sont quand même un petit peu faites pour, quoi. Tout simplement. Hein, sous le capuchon, se cache quand même quelque chose qui permet de doser assez précisément et de ne pas gâcher. C'est le moment où débarque notre ami la Chine, à nouveau. Où pour 2 euros, vous allez acheter ceci. Voilà, vous allez acheter... des tubes et vous allez acheter des petits couvercles qui se mettent sur les tubes et vous allez passer une petite après-midi à transférer la peinture des tubes dans les pots et là vous allez vous retrouver avec ça par exemple. Voilà. Ça, c'est quoi? Ben, c'est le gros tube de turquoise de tout à l'heure, transféré dans le pot. Et le problème, c'est que l'ouverture du tube ici,
elle est petite. Et l'ouverture du gros tube, eh ben, elle est grosse. Et comment on fait passer la peinture du gros tube dans le petit tube? Après avoir galéré, en avoir foutu partout, la solution que j'ai retenue, si je remets la main dessus, voilà. C'est ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un tube en plastique dans les trucs de shampoing qui ont un pressoir. Vous savez, pour faire sortir le savon. Une fois fini, vous l'ouvrez, vous récupérez le tube en plastique qui sert d'aspirateur, quoi. Vous en coupez un bout. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous plantez un bout dans le tube de peinture. Vous rentrez l'autre bout bien à l'intérieur. Et quand vous allez presser le tube de peinture, la peinture va couler dans le tube et aller tomber au fond du pot. Et comme ça, vous en foutez pas partout. Et surtout, vous remplissez un tube comme ça en 2 secondes. Au lieu de 10 minutes en ayant foutu partout autour du pot, sur les mains, etc. C'est la gymnastique de transvasement du tube au pot est pas toujours évidente. Mais trouvez-vous ça. Trouvez-vous ces petits tubes-là. Et si possible, variez les plaisirs. C'est-à-dire que allez chercher, voyez, des tubes qui ont qui ont des tailles différentes. Parce que comme les ouvertures de tubes ne sont pas forcément standards, c'est toujours bien d'avoir un tube un peu adapté. Ma foi, j'ai partagé avec vous tout ce que je pouvais sur les peintures. Vous allez voir que, grâce à ce petit délire, ça, c'est ce que j'utilise pour peindre au quotidien, et c'est sorti des tubes. Il n'y a pas une couleur qui n'est pas sortie d'un tube. Blanc, turquoise, anthracite, jaune profond, le fameux tube de la marque dont je suis si content. Pratique à utiliser, étiquette dessus pour éventuellement se souvenir. Pour le daltonien comme moi, c'est pratique. Vert brillant, jaune bien transparent, bleu clair, bleu roi, marron, noir, vert véronèse, mon dieu, vert olive, couleur chair, couleur rouge. Et quand j'ai besoin de compléter ça, quand j'ai besoin de transformer ça, c'est là que je vais dégainer les peintures qui coûtent cher. Tout simplement. Voilà les cadavres. Là j'ai vraiment tout dit. Éclatez-vous. Essayez, honnêtement, de toute façon, si jamais c'est pas votre trip, ça vous aura pas coûté un budget trop cher. Commencez par remplacer vraiment les couleurs de base. Commencez par remplacer le blanc et le noir, par exemple. Essayez du noir et du blanc en peinture loisir. Vous verrez bien si le résultat vous plaît ou pas. Je vous avoue que en général, c'est les deux couleurs avec lesquelles on n'est pas trop déçu. C'est quand même très passe-partout. Et petit à petit, aventurez-vous dans des peintures un peu plus exotiques. Mon dernier conseil éventuellement, c'est comme les peintures qui coûtent très cher seront toujours mieux et meilleures, gardez-vous-en en réserve, utilisez-en de temps en temps. Pour les trucs qui valent le coup, pour les trucs qui doivent vraiment hyper ressortir sur la figurine, là où vous n'avez pas le droit à l'erreur de teinte, prenez de la peinture payante. Mais pour le reste, très honnêtement, vous privez pas, quoi. Ça fait le travail, à condition, vous l'aurez compris, de choisir la bonne marque. Dernière petite chose, parce que je peux pas vous laisser partir sans ça. Ça, ce qu'il y a dans ce tube,
provient de ceci, là. Ça, c'est du médium acrylique. Ça, c'est le liquide dans lequel baignent les pigments et qui fait de la peinture. C'est dur à décrire, ça ressemble à de la crème, crème anglaise qui aurait pas de couleur. Et ça, c'est très pratique quand vous avez une peinture qui est beaucoup trop compacte. En fait, ça rajoute du liquide, mais qui n'est pas de l'eau, qui s'évapore pas comme l'eau. Ça s'évapore bien moins rapidement que l'eau, et ça fluidifie moins que l'eau aussi. Ça rend très pâteux. Celui-là, je l'ai acheté chez Cultura. Ça coûte pas cher non plus. J'étais surpris, en fait, d'en trouver chez Cultura, pour rien vous cacher. Et j'en ai utilisé, même dans certains des pots que je vous ai montrés juste avant, j'en ai mis un petit peu au fond, pour que la peinture vienne se mélanger à ça et se ramollisse un petit peu. Parce que là, quand elle sort du tube, il y a un gros couloir de sortie. Donc elle peut sortir très pâteuse, on s'en fout. Dans le pot, elle a un tout petit couloir de sortie. Donc si vous la rentrez et que vous la laissez aussi pâteuse que ça, vous allez devoir presser comme un taré sur le pot pour que la peinture sorte. Donc le fait de la liquéfier un petit peu, ça aide pas mal. Donc voilà, petit pot de médium, vous en aurez pour pas plus d'une vie, mais pas loin. Ça fonctionne pas mal. Et en ce moment, chez Action, alors je ne l'ai pas à côté de moi là, non, vous avez du pouring medium. Alors qu'est-ce que c'est que le pouring medium? C'est du médium, donc presque comme celui-là, mais qui est fait pour une technique de peinture un petit peu space, qui est de faire en sorte que les peintures deviennent très liquides et les projeter sur des toiles et faire des formes un peu fluides qui se mélangent et qui font des trucs un peu psychédéliques. J'ai testé pour savoir si... alors ils appellent ça du médium de lissage, je crois, en français. Si le pouring médium pouvait remplacer quoi que ce soit dans la peinture de figurines. Ouais, c'est pas impossible. En fait, c'est en petite quantité. Ça peut remplacer l'eau, tout simplement, parce que ça rend la peinture très liquide et très fluide. Donc ça peut remplacer l'eau. Attention, en très grosse quantité, vous allez obtenir un peu l'équivalent du doré que je vous ai montré. C'est un truc inutilisable. Mais l'avantage que ça a par rapport à l'eau, c'est que ça met longtemps à sécher. C'est-à-dire que si vous utilisez le pouring medium pour rendre une peinture un petit peu plus fluide, vous allez pouvoir l'utiliser bien plus longtemps qu'avec de l'eau, avant qu'elle ne sèche sur la palette. Parce que, dernier détail, les peintures que je vous ai montrées, vous oubliez les palettes humides. Vous oubliez le milieu un petit peu liquide, humide en permanence, et la peinture elle boit et elle est toujours plus ou moins fraîche. Parce qu'en fait, ces peintures-là, avec trop d'eau, deviennent complètement diluées et n'agissent plus. Comme de la peinture, les pigments sont plus liés en fait. Vous allez les pourrir en utilisant une palette humide. Donc si c'est votre technique, passez votre chemin. Si ça vous parle, pas plus qu'à moi, hein, parce que finalement, j'ai peint sans palette humide et je m'en suis très bien sorti. Ces peintures-là sont très bien. Et ben voilà, c'était quelque part mon premier tuto peinture. En tout cas sur ce que moi j'utilise. Je sais pas si j'en ferai une sur les pinceaux, je suis pas convaincu. Ou alors une très très courte éventuellement. Pareil, un pinceau ça peut coûter très cher. C'est pas toujours utile de prendre son meilleur pinceau pour faire certains trucs. Vous voyez ça c'est mon dernier achat en date. Et j'ai du mal à l'utiliser parce que je veux pas les gâcher. Mais je vous en parlerai, je ferai une vidéo dessus, mais je vous en parlerai. Voilà. Ça c'est mon dernier petit joujou. C'est pas le plus cher, c'est pas le plus efficace, mais c'est une Madeleine de Proust pour moi. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Allez, salut les cadavres, bon jeu et bonne peinture à ceux qui peignent. Rendez-vous peut-être in-game ou sur un champ de bataille. Ouais, je sais, je m'adapte. Ciao.